Salut à tous, dis ton Fred, épisode 23. Une petite expression en informatique qui aussi parfois rentre dans la vie courante, c'est envoyer à dev nul ou vers dev nul. Donc, pour comprendre cette expression, il faut imaginer qu'on se base sur la hiérarchie du système de fichiers en informatique. Hiérarchie parce que tout simplement, le point de départ c'est la racine, et racine qu'on nomme slash. Après ça, bon, il y a des répertoires utilisateurs pour home, pour les répertoires utilisateurs, bin pour les binaires, les exécuteurs, enfin les logiciels, si vous préférez. Il y a, etc., etc., pour mettre tout le bazar, tout ce qui rentre par ailleurs. Il y a la hiérarchie dev qui s'occupe de tout ce qui est périphérique, que ce soit les périphériques USB, que ce soit les imprimantes, les claviers, les souris, bref, tout ça, c'est géré dans cet endroit-là. Et il y a un endroit qu'on appelle dev nul, NU2L. Déjà, ça vous donne pas de petite idée? Nul, c'est zéro. On dit quelque chose qui est nul en mathématiques, ça veut dire que la valeur est de zéro. Donc, nul, ce n'est pas zéro, mais en informatique libre, enfin, en informatique unixienne, ou en général, en informatique, quand on dit qu'on envoie quelque chose à dev nul, c'est qu'on l'envoie vers le trou noir de l'ordinateur. Dev nul, c'est l'endroit où on met tout, où tout rentre, mais rien ne ressort. Donc, c'est vraiment le trou noir classique. On dit que le trou noir est un endroit où tout rentre, mais on sort même la lumière ne peut pas s'évader tellement que la force de gravité est puissante. C'est le même principe pour dev nul. C'est l'endroit où on envoie des documents et qui ne reviennent jamais. C'est la corbeille, quoi. C'est la corbeille intersidérale du système. Voilà, en gros, c'est ça. C'est bon, mais c'est le broyeur. Bon, mais j'ai plus besoin de ce fichier. Je l'envoie à dev nul. Boum, c'est fini. Il disparaît. Dès que tu envoies à dev nul, il disparaît. On utilise aussi souvent dev nul pour faire des tests, pour des fichiers log qui ne servent à rien, pour faire des tests, donc on envoie vers dev nul. Donc, si une personne, un genre d'informatique, un informaticien vous dit: ah oui, ton idée, je la garde jamais de côté, après je la reverrai à dev nul. Ben, je crois que votre idée, vous pouvez lui dire adieu. Hein. Donc, envoyer à dev nul, c'est envoyer vers le trou noir, envoyer vers la disparition la plus complète. Voilà, c'était une toute petite vidéo, tonton Fred. C'est une expression qui est assez courante, que je voulais vous expliquer rapidement et facilement. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!